Conseil électoral la parel pour lancer un gros campagne sensibilisation pour encourager moun yo participer dans élection yo d'après représentant secteur femme nan dans KPA Yolette Mengual. Concernant l'argent qui disponible pour organisation élection yo, madame Mengual fait connaître 38.5 millions de dollars qui déjà disponible dans fonds PNUD à gérer sur un total 66.5 millions de dollars qui c'est budget global opération électorale yo. Représentante secteur université à Marie-Carmel Paul-Austin annoncé formation en commission dans conseil là qui gagne la dans le conseiller électoral représentant quelques ministères et partenaires internationaux qui travaillent pour rapatrier processus électoral là à partir année prochaine. Conseiller électoral Yolette Mengual avec Marie-Carmel Paul-Austin toujours dans micro Rodrigue Lalanne avec Jean-Joseph Nono. Le gouvernement haïtien est majoritaire avec environ 33% de l'argent, soit 14 millions de dollars que déjà mettait dans le basket fond. Ou bien le Canada qui déjà bail pali, ou bien USAID, le Brésil, et puis l'autre jour, tu as le Japon qui t'a porté un coup de part, et l'Union européenne. Et à côté tout, et jusque-là, nous avons mobilisé l'autre fonds pour que justement nous arrivions à atteindre 66,5 millions de dollars qui déjà entrés dans le cadre et budget électoral. Et le gouvernement haïtien a fait l'annonce, le gouvernement haïtien lui-même est prêt pour le bail conseil électoral moyen pour que justement nous arrivions dans 66 millions de dollars. Donc l'argent 66,5 millions de dollars qui est destiné pour les opérations électorales. Donc nous avons 38,5 millions en qu'il a déjà. Donc il y a une mobilisation qui a fait pour que nous gagnions l'autre fonds. Il y a l'autre pays qui promet. L'État haïtien promet les mêmes taux pour l'ajouter dans le basket fonds pour que nous capables de réunir les 66,5 millions de dollars qui sont destinés aux opérations électorales. Oui, je voulais m'ajouter ce point, ça justement. Par rapport à ce qui reste, parce que, tant que Mme Mengual dit, gagner l'État haïtien déjà déposé comme, gagner l'autre bailleur que nous citons là qui déjà déposé comme. Sous reste qui était mobilisé, l'État haïtien prend engagement que s'il ne va pas joindre ailleurs, de lui-même, il cabaille. Sur ce point, 66,5 millions de dollars qui prévoient un budget pour l'ensemble des opérations électorales, reste qui était mobilisé, l'État haïtien prend engagement par la voix du Premier ministre, si c'est l'État haïtien pour bailler, il y a bailler.